Salut les amis, alors là on se retrouve encore une fois au bord de l'eau pour pas changer hein, comme d'habitude. Donc comme d'habitude on va aller pêcher en étang. Donc toujours avec Steven. Donc moi je vais pêcher aujourd'hui parce que comme je vois, c'est déjà deux fois ça tape bien avec le jerk. Donc là pour moi je vais pêcher. Je vais pêcher avec le jack, comme d'habitude, comme ça donne bien. J'ai reçu, je vais te montrer aussi, j'ai reçu des nouveaux leurres. Des leurres que j'avais commandé, des swimbait. Donc il y avait, voilà, donc c'était un couleur perche à peu près, hein, ça doit être ça. Donc ils font un peu plus de, ils font 11 cm. Pour 19 grammes, j'ai acheté ça sur internet, donc pas très cher, et un blanc, bah, un gris rose, voilà. Donc Steven va les essayer, bah, je pense tu vas les essayer gros, donc bah, Steven il va les essayer, on va voir ce que ça va donner. Voilà, donc j'espère que le poisson sera mordeur pour lui comme pour moi, et puis voilà. Donc on va se retrouver, on se retrouve au bord de l'eau. Donc on va se retrouver, on se retrouve tout de suite au bord de l'eau. Allez, à tout de suite. C'est beau, ouais. Ça va vous, là. Ouais. Oh là là. Le buster. Oh la vache. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas le combat, mais... Je l'ai moi, t'inquiète. Ouais, t'inquiète, je sais que... Tu veux que je tienne la canne? Hein? Tu veux que je tienne la canne? Oh la vache! Ah, il est bien gras celui-là. Yes! Yes! Tu photo avec le leurre ou quoi? Tiens, pour la pince. Putain, je loupe le combat. Mais c'est pas grave. La photo, tu la tireras ou pas? Il fait combien? Attends, sors le mec. La gueule, la queue. 83. 83. Je suis bien placé là? Ouais. Ah ouais, quand même. Heureusement que t'as pas mis tes doigts. Ah non. J'ai les doigts dans les... Bonjour, en gros. Yes. Donc, petite conclusion sur ces 2-3 heures de pêche. Donc, bah, comme vous l'avez vu en début de vidéo, hein, c'est... Donc, Jean Loupin, il se décroche. Donc, après, je sais pas comment il était. Il devait être beau, mais bon... Voilà, donc derrière, juste derrière, sur un autre spot, j'en fais un 83. Donc voilà, au Buster Jerk. Donc, bah, ça fait quand même déjà une, deux, je fais trois sorties que je fais avec le Jerk. Ouais, c'est... Il tape bien. Donc, c'est des bons leurres. Surtout que ceux-ci ne m'ont pas coûté très cher, hein, puisque je les ai payés 2-3 euros pièce sur internet. Donc voilà. Donc ils fonctionnent très bien. Je pense que je vais en racheter un deuxième. J'en ai déjà un deuxième, mais en couleur perche comme ça, je pense que je vais en racheter un deuxième. Parce qu'il commence déjà à avoir pas mal de traces dedans dessus. Donc à mon avis, je fais une saison avec ça. Il va morfler, hein. Donc en avoir un, ce serait bien. Donc voilà. Donc bah, Steven, lui, bah, il fait rien. Pas de chance pour lui. Hein. Ça fait déjà trois sorties qu'on fait là. Trois sorties, il fait rien. Bon, la roue tournera peut-être. Hein. Peut-être que la prochaine fois, ce sera lui. Donc on compte venir quand même la semaine prochaine, donc après les fêtes.
Donc ils annoncent quand même du beau temps. Donc on viendra taper quand même un peu pour voir. Toujours au même endroit, hein, toujours sur les étangs. Parce que la saison de pêche est terminée. Donc après les fêtes, on viendra taper en étang, comme on a fait là. Voilà. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, un petit like, hein. Comme je le dis toujours, ça fait toujours plaisir. Et puis si t'es pas abonné, c'est en bas. Allez les amis, à plus. Et puis passez de bonnes fêtes. Allez, ciao.